Nous sommes en 1945. Louis Jouvet est de retour à Paris après une tournée de 4 ans en Amérique latine. Tournée pleine de dangers, au cours de laquelle il perd tous ses décors dans un incendie à Buenos Aires et le contenu d'un de ses camions dans la cordillère des Andes. À Santiago du Chili, meurt le comédien Romain Bouquet. Au retour, plusieurs comédiens ont quitté la troupe. À Paris, Jouvet repart à zéro et monte la dernière pièce de Giraudoux qui vient de mourir. Par manque d'argent, il lance un appel au public via Le Figaro pour récupérer dans les greniers de vieux vêtements de femmes. Même en mauvais état, ça n'a aucune importance, au contraire, dit l'annonce. C'est à ce moment-là que Paul Riégère, apprenti comédien, rencontre Louis Jouvet. C'est la première photo d'une répétition, la première répétition, même la lecture de La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux. Alors sur cette photo, tu as Madame Moreno, tu as Monique Mélinan, tu as Mayanne, tu as toute la troupe, beaucoup de jeunes comédiens là, Dalmain, Etcheverry, Mauclair, Fred Capel, Lucien Bargeon, Riquier, etc., etc. Bon. Et moi je suis là, et c'est le hasard qui fait les choses. Je me trouve juste au sud de Raymond. Et c'est grâce à Raymond, en grande partie, que je suis rentré dans la troupe de M. Jouvet. Elle vivait, je précise, avec Blaise Sandra. Et rentrée de la Martinique, quand le patron avait terminé sa tournée en Amérique du Sud, elle s'était inquiétée de moi auprès de ma mère, qui lui avait montré des photos de théâtre que j'avais joué au Stalag. Et elle en avait parlé à Jouvet, c'est comme ça qu'il m'a reçu. J'étais venu avec mes photos, il les a regardées, et je dois dire honnêtement que c'était d'une certaine qualité au point de vue décor, costume, et tout ce que nous avons fait était du travail de professionnel. Autriche 1941, Stalag 17A. Paul, qui a alors 22 ans, a été fait prisonnier avec son bataillon. La Convention de Genève prévoit que les prisonniers de guerre ont le droit de monter des spectacles au sein du Stalag. Paul aborde le théâtre, mais aussi le music hall. Il a la chance d'y rencontrer des musiciens professionnels qui, entre autres, l'initient au jazz. À travers des dizaines de rôles, il se découvre une vocation de comédien. Paul passera 4 ans en captivité. Ça, c'est les premières pièces de théâtre qu'on a pu monter. C'est mon copain Victor Béard qui avait eu l'idée de monter Topaz. Et on a monté Altitude 3002 parce qu'on avait le texte. Et en plus, Bernard Blier avait vécu avec nous quelques mois jusqu'en mars 41. Lui, il l'avait créé à Paris, cette pièce. Comme j'étais devenu copain avec lui, je m'étais distribué son rôle dans Altitude 3002. C'est moi qui l'ai monté, celui-là, un spectacle classique. On jouait « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » avec mon copain Gevrey et Pierre Belot, qui jouait la dame. Parce qu'il faut bien vous compreniez qu'il n'y avait pas une dame, il n'y a pas une femme dans les personnages avec des robes. Tous étaient des copains de captivité. Et il y en a, ça faisait curieux de les voir. Et il y avait un coiffeur qui décolorait les cheveux
ou qu'il est, et quand il se promenait dans le camp, après, ça faisait un peu drôle. Et vraiment, il y en a qui pouvaient donner le change. Bon, alors ça, c'est Domino. Là, j'ai fait la mise en scène et je me suis distribué Domino aussi. Et Domino, ça m'a fait rire parce que je l'ai montré au patron, cet album. J'ai dit, monsieur, je m'étais distribué votre rôle là-dedans. Alors ça le fait rigoler un peu. Alors il a regardé ça et puis il m'a dit, ah, c'est intéressant. Giraudoux, tu connais? J'ai dit, non. Connais pas, je le nom connais, mais Molière, oui monsieur, j'ai lu tout Molière. Au Stalag, j'avais tout lu. Et c'est à la suite de ça, il a fait, ah bon, ben dis donc, je monte une pièce, La Folle de Chaillot, de Jean Giraudoux, deux répliques, ça marche? J'ai dit, oui, ça marche. Et c'est là que j'ai commencé le lendemain la lecture avec Marguerite Moreneau, Félix Oudart, Maurice Lagrenet et tous les autres. J'avais donc mes deux répliques, puis en cours de représentation, vers la 50e, le gars qui jouait le jeune premier a eu la scarlatine, il était sur le flanc pendant 40 jours, ce qui fait que comme nous oublions tous les uns les autres, je suis arrivé, moi qui doublais le sergent de ville, à avoir la chance d'avoir un rôle, vous vous rendez compte, sur la scène du théâtre de l'Athénée, je démarrais avec un rôle. C'est ainsi qu'un jeune acteur découvre les auteurs contemporains, parmi lesquels Jean Giraudoux, auteur fétiche et interlocuteur privilégié de Louis Jouvet. Je pense qu'entre Giraudoux et le patron, il y avait une amitié profonde. Le patron s'attachait beaucoup au langage de Giraudoux et ne serait-ce que dans sa manière de nous indiquer et de nous diriger pour La Folle de Chaillot, pour Ondine, le langage était différent. Dans Ondine, c'était le côté conte allemand, tandis que La Folle de Chaillot, c'était beaucoup plus quotidien. Et en tout cas, jamais le côté déclamatoire, contrairement à Claudel quand on a joué l'annonce faite à Marie, où là, l'écriture demandait une autre manière de lire le texte. Grâce au travail sur la respiration des phrases, Jouvet a donné de l'école des femmes une version fidèle à la tradition de la farce et en même temps moderne, notamment dans la diction des vers. Comme il faut devant lui que je me mortifie, quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant! Quoi, pour une innocente, un esprit si présent? Elle a faim d'être telle à mes yeux, la traîtresse, ou le diable à son âme a soufflé cette adresse. Enfin, me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit, qu'à ma suppression, il s'est ancré chez elle, et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Bien sûr, il lui arrivait de piquer des crises, hein. Enfin des crises. Tu sais, c'est la fameuse histoire de Don Juan, ça. Moi, au premier acte, je faisais de la figuration derrière avec Riquier et Monod, mes deux copains aussi. Et puis, au bout d'un mois, et demi qu'on jouait, je ne sais plus quoi. Il me dit, tu écoutes bien, toi, ce que je fais là, au premier acte là? Je dis, ben oui, tu fous rien dans le fond. Il dit, ben non, je dis, alors écoute-moi, et puis, à la fin du premier acte, à partir de demain, tu me donneras une note. Tu jugeras mon interprétation. Alors je lui dis, oh non, ça, non, pas trop. Je ne vais pas jouer au con, moi. C'est pas la peine. Comment tu refuses? Tu m'as dit que tu me dirais toujours franchement ce que tu penses. J'ai dit, ben oui, mais là, vous vous rendez compte, moi, 27, 28 ans, puis vous, le patron, tu vas le faire, oui, connard. Bon, alors je dis, bon, vous y tenez? Oui, mais bon, ben. Et puis il dit, Mono. T'es à côté de lui, et ben tu confirmeras ou t'infirmeras la note. Et alors, à partir du lendemain, j'ai commencé à lui donner des notes. Et ça a varié entre 14 et 18, en général, quoi. Et puis un jour, on sort de scène à la fin du 1, et il me dit alors, et je lui dis 4.
Alors, il me dit quoi? Quatre, je lui dis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, je lui dis, ben, je ne sais pas, moi. Il y avait un gars qui se promenait en scène, qui, si Jouvet avait été là, il aurait pu sauver, mais il n'était pas là. Et puis, c'était un acteur qui ne respectait même pas la mise en scène d'un monsieur Jouvet. Alors, ça vaut pas cher, quoi, quatre. Alors, il se tourne vers Mono, et Mono était emmerdé parce qu'il ne pouvait pas me... Et c'est vrai qu'il n'avait pas été bien ce jour-là, il devait être fatigué. Et il me dit, ben oui, pas beaucoup. Bon, alors, tu penses, ça a fait le tour du théâtre, cette histoire-là. Et quand on avait fini la pièce et que j'ai été me démaquiller, pendant que je me rhabillais, on entend dans le micro d'ordre, dans le théâtre, Paul Riéger a demandé à la loge du patron. Ah, alors, je finis de m'habiller, je sors. Toutes les portes s'ouvraient des loges, mes copains. Ah, Popol, ça va être ta fête. Quand il va dérouiller. Oh, bon courage, mon vieux. Voilà, il m'attend là, bon. Puis je suis arrivé là-haut. Alors, il a commencé à m'incendier. Parce que, tu comprends, quand tu dis, monsieur, voilà, monsieur votre père, comme si tu disais, je vous présente un représentant en aspirateur, voilà une dame voilée qui vient vous parler, tu l'as jamais vue, cette dame, tu comprends, elle arrive chez moi, tu me dis, voilà une dame voilée qui vient vous parler, et il parle tout seul comme ça pendant 3 minutes, il en met un bon coup. Et moi, la colère me montait, je commençais à transpirer, et au moment où il a pris une aspiration, je dis, eh ben, c'est pas vrai! Tout ce que vous dites, c'est pas vrai! Moi, j'ai fait mon boulot, mais c'est pas moi qui ai foutu la par terre aujourd'hui. Vous êtes fâché comme un môme à qui on a foutu une mauvaise note. Je t'emmerde, connard. Voilà, oh là, ça monte, ça monte, ça monte. Le temps, puis tout d'un coup, il y a eu un grand temps entre nous deux, on était là. Il dit, on a l'air con, hein. C'est une anecdote. Mais qui fait comprendre le personnage, quand je vous dis le côté humain, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de tauliers qui auraient accepté ça. On imagine facilement à quel point Jouvet détestait toute marque de condescendance. Il fuyait les hommages officiels et les mondanités. Il partageait son temps entre un travail assidu au théâtre avec son équipe et ses cours au conservatoire. Quant aux moments de solitude, il les passait à lire, réfléchir et écrire sur le théâtre. Par exemple, je sais qu'il avait horreur qu'on l'appelle maître. Tandis que patron, ça avait un côté artisan, patron d'un atelier. Je pense que c'est comme ça qu'il l'envisageait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait cette facilité de contact avec tout le monde. Évidemment, dans une ambassade, quand l'ambassadeur l'appelait maître, il ne pouvait pas l'envoyer sur le tas comme il le faisait avec d'autres. J'ai voyagé beaucoup grâce à lui. Évidemment, nous étions envoyés par le président de la République de l'époque, c'est M. Vincent Auriol, qui disait « Alors, mon cher Louis, vous allez représenter la France, hein, et c'est vous qui allez partir. Hein. » Et alors c'est pour ça que nous partions, je dois dire honnêtement pardon à mes camarades du français, nous partions avant eux pour renouer des relations plus ou moins diplomatiques et artistiques. Il était reçu comme l'ambassadeur du théâtre de France. Là, c'est à Édimbourg, en 1947. C'était l'inauguration du Festival d'Édimbourg qui est devenu un festival théâtral très important en Europe. Mais nous étions les premiers invités, avec M. Jouvet, bien entendu. Photos prises sur le Providence, le paquebot que nous avons pris pour aller en Égypte. Nous sommes partis de Marseille, toute la troupe, pour Alexandrie. Voilà, c'est la première partie du voyage sur le bateau. Là, nous sommes sur le pont. Tu vois, il y a quelques personnes de la troupe autour du patron. Je crois que c'est au moment où nous traversions le détroit de Messine. Et le commandant nous avait dit la veille, il va falloir se lever de bonne heure, mes enfants, parce qu'il y a un très beau lever de soleil sur le Stromboli. Alors, nous étions tous là, etc., et on regardait le Stromboli. Là, c'est un peu après, hein. Effectivement, il y avait les couleurs du lever du soleil sur la mer, sur le détroit, et nous étions là. Oh, t'as vu ça? Oh, c'est beau. Oh, ce que c'est beau, etc.
Et le patron ne disait pas un mot. Et puis tout d'un coup, une fois qu'on a tous dit nos petites choses, il dit « Ouais, bah tout ça c'est bien gentil, mais moi avec 3 projecteurs et 2 fluorescents, je vous fais la même chose sur scène. » Voilà, tu vois, n'importe quoi, il ramenait tout au théâtre. Photo à l'arrivée à Alexandrie, prise par un... Je pense que c'était un reporter qui était venu du Caire. C'est la photo centrale du patron avec, en amorce, le directeur de l'Opéra du Caire. Descente du bateau, Léo Lapara, le patron, le directeur de l'Opéra du Caire et Dominique Blanchard, juste après la descente du bateau. Au cours des tournées, évidemment, la personnalité du patron était connue partout, dans tous les pays. Et quand on est arrivé en Égypte, on a fait un petit arrêt à ce qu'on appelait l'auberge du désert, entre Alexandrie et le Caire. Ça a été le premier pas en Égypte. Et les journalistes du Caire n'avaient pas fait tout le trajet jusqu'à Alexandrie, ils étaient venus simplement à cette auberge du désert. Alors, ils étaient assez nombreux, et nous, on déjeunait tous à la grande table, le patron se lève, et à ce moment-là, c'était le bloc autour de lui. Je dis aux copains, au bout de 10 minutes, je dis, je vois qu'il s'emmerde, je vois qu'il n'est pas à l'aise, là, il s'emmerde, il faut faire quelque chose, les gars. Alors je suis approché, je fendais la foule, discrètement, pardon madame, pardon monsieur, excusez-moi, patron, je dois vous rappeler que il faut absolument qu'on se voit dans 10 minutes, hein, au plus tard, parce que vous avez des choses à me dire en ce qui concerne la représentation d'après-demain. Oh, très juste, excusez-nous, de rien. Et il m'a dit, oh, non, t'es formidable, tu vas faire ça à chaque fois. À chaque fois qu'on était dans une réunion où il s'emmerdait, il me regardait, il faisait... Hop, j'arrivais et je remettais mon petit boniment. Du 7 mars au 30 avril 1948, la troupe de Jouvet sillonne l'Égypte. Elle emporte avec elle les décors et les costumes de 4 pièces. L'école des femmes et Don Juan de Molière, Ondine de Giraudoux et Knock de Jules Romain. Mais elle y donnera aussi l'Apollon de Marsac de Giraudoux, la Folle Journée d'Émile Mazot et la Coupe Enchantée de La Fontaine et Champmélie. C'est dire l'importance de cette entreprise. Là, c'est, je crois, devant le musée du Caire. Il y a Suzanne Courtal, il y a Vanda, il y a Michel Etcheverry et sa femme, et Georges Riquier, camarade qui a fait une bonne carrière après la mort du patron au TNP. C'était un jour de relâche. Nous avions un jour de relâche, nous jouions une pièce différente par semaine. On est donc resté près de 5 semaines au Caire, et après on a refait les mêmes séries de spectacles à Alexandrie. Et ça, c'est sur le Nil. Nous avions fait une petite excursion en bateau avec un Égyptien très sympa qui avait un yacht. Et sur l'arrière du bateau, il y avait mon camarade Etcheverry, sa femme et Jacques Monod. Après 10 semaines en Égypte, nous avons pris un cargo mixte pour nous mener en Italie. Quand on est arrivé à Naples, il tombait des cordes. Mais enfin, je peux le dire, on n'est pas dans un théâtre. Il tombait des cordes, trempé. On est à ce moment-là, on nous a pris en quart pour le chemin de Rome. Ceci, c'est une des photos, je crois, prises à Bologne. Mais pour vous dire que le quart, c'était le plus luxueux, je dis d'Europe, mais je crois que c'est au monde quand même, parce qu'il y avait des vatères, il y avait une hôtesse et il y avait un bar. Et on a commencé à arpenter l'Italie. Alors on a donné quelques spectacles, je crois 5 par ville, mais là, que l'école des femmes. Hein, on avait supprimé les autres spectacles parce que avec les décors, c'était impossible de les installer. On a donc joué à Rome, Florence, Venise, Turin, Milan. C'est donc l'école des femmes que Jouvet a choisi pour représenter le théâtre français durant le printemps 1948 à travers l'Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche et l'Allemagne. Nous disions pas mal de bêtises dans le fond du car. Nous étions avec mon camarade Mauclair, Etcheverry, tout ça. Et
De temps en temps, il y en a un qui lançait une petite histoire du genre « Qu'est-ce qu'elle devient ?» On joue les vieux. « Qu'est-ce qu'elle devient, la petite Blanchard ?» Eh bien, il y en a qui disent « Oh, tu sais, maintenant, elle fait toujours de la synchro. Oh, et tu veux, oh, il y a longtemps qu'il est mort. » Et tout d'un coup, on entendait « Vos gueules, merde, vous m'emmerdez, quoi !» Il avait horreur quand on parle de ce qui se passerait plus tard et des gens âgés. Cette photo doit être prise sur le trajet, je pense que c'est à Bologne, quelque chose comme ça, avec Fernand René, qui était un comédien que je trouvais vieux à ce moment-là. Moi, j'avais 28 ans, lui, il en avait plus de 70. Dans Don Juan, il avait cherché un Sganarelle. Et il a été voir un acteur qui jouait une pièce à ce moment-là à Paris, quand le diable y serait. Il s'appelait Fernand René. C'était un homme qui faisait des théâtres périphériques de l'époque. Et il gagnait 1000 francs or par jour, autant que Sarah Bernard, à jouer des pièces du genre Le train de 8h47. Et il avait parlé d'un titre, je ne suis pas sûr qu'il l'ait joué, mais ça s'appelait Un wagon de queue en folie. C'est pour vous dire que c'était... Enfin, cet homme ne connaissait rien au théâtre classique. Son physique l'intéressait, c'était un petit bonhomme nerveux, et c'était un bon comédien. Donc le patron faisait venir Fernand dans son bureau et lui détaillait les phrases de Molière, le texte de Molière. Cet homme est donc resté pendant 2 mois, à venir 2, 3, 4 fois par semaine, pendant quelque temps, dans le bureau du patron. Mais le soir, il restait dans le théâtre. Il a joué Sganarelle de Don Juan, il a fait un tabac, le jour de la générale, il pleurait, cet homme. Et après, le patron s'en est occupé tout le temps. Il l'a pris dans chaque pièce. Il lui a fait jouer du Giraudoux, il a joué dans Ondine, il a joué dans l'Apollon de Bellac, et toutes les tournées et tout. Et quand il a eu un pépin familial, Fernand, sa femme est morte. Le patron ne l'a pas laissé rentrer chez lui. Il a pris Fernand à la sortie du cimetière, et il l'a emmené chez lui, qui est Louis Blériot. Et comme c'était la période de vacances après, il l'a emmené en vacances. Jouvet gardait toujours le souci de l'humain, quelles que soient les circonstances, privées ou professionnelles. Alors ça, c'est la deuxième tournée qu'on a faite en 1950. Nous avons commencé, je crois, par La Haye, qui avait été très bombardée pendant la guerre. Et on est arrivé dans le théâtre, tout était blanc, avec du carrelage blanc par terre et tout. Et le patron fait « C'est pas un guignol, c'est une piscine !» Voilà. Enfin, on jouait que l'école des femmes. Là, moi, je faisais une espèce de figuration intelligente, tu vois. Et au rappel, je me trouvais à l'extrême droite du côté jardin, et à chacun, il donne un bouquet de fleurs à tout le monde. Même moi, j'ai eu droit à un petit bouquet de fleurs. Rien, je voulais. Rien. Alors, on se regardait, nous, on était un peu gênés, nos petits bouquets, lui, rien. Et du côté court, rentrent les deux assesseurs avec une couronne de laurier. Une couronne grande comme ça. Et il regarde, il fait trop tôt, les gars. Jusqu'à la fin de sa vie, Jouvet assumera comme une priorité absolue son rôle de patron. Il fera vivre son théâtre et surtout ses comédiens. Il ne faut pas oublier qu'il était directeur de théâtre, il avait une troupe, et la troupe, ben nous étions quand même une douzaine à être pratiquement employés à l'année. C'est-à-dire qu'on était payés 10 mois sur 12, même quand on ne jouait pas dans un des spectacles. C'était l'entretien d'une troupe. Le cinéma aidait le patron à subvenir aux besoins de toute cette troupe, à payer les salaires et tout, et l'entretien du théâtre. Il n'était pas le seul patron au théâtre, il y avait un conseil d'administration. Et je me souviens d'un jour où on attendait sur les banquettes à Moleskine, du théâtre de l'Athénée, et il est arrivé avec un sourire. Et il souriait souvent, mais là, on sentait qu'il était très joyeux. Il dit,
Eh ben ça y est, je suis majoritaire au conseil d'administration, les petits gars, je vais pouvoir faire ce que je veux. Quand même, faut pas oublier que c'est grâce au cinéma qu'une partie du public venait le voir. On lui a proposé l'administration de la Comédie Française. Je crois deux fois, mais il a refusé. Il a trouvé, je pense, que la charge administrative du français, avec tout ce que ça comporte, l'aurait contraint à ne pas faire ce qu'il voulait. Il n'aurait pas pu prendre toute la troupe. Parce que quand on lui a proposé, il fallait qu'il prenne la troupe du français. Donc se séparer de la sienne. Et je crois que ça a joué. Mais l'amitié, ça, comme il l'avait pour Christian Bérard, comme il l'avait pour Camille Demangeat, qui était son scénographe, comme il l'avait pour d'autres personnes, ça, c'est le côté humain toujours qui revient là, que ce soit les machinaux, c'est ça, le bonhomme était comme ça.